Putain, O'Brien. Vous êtes sorti? Oui, je suis sorti, et pas grâce à vous. Je vous envoie les coordonnées. Terminé. O'Brien, 4 personnes sont mortes pour cette merde. J'espère que ça valait le coup. Bon sang, je rêve. C'était mes hommes. Inutile de vous me rappeler. Vous volez le No Man's Land, peinard dans votre hélico, et puis vous retournez tranquillement vous terrer, bien au chaud dans votre bunker, comme un vrai planqué. Vous avez aucune idée de ce que c'est ici. Mais de ce pas que ça coûte de survivre. Oh, et vous savez, ces hommes Cooper et les autres, ils avaient pas la moindre idée de la merde qui les attendait, mais vous, oui, n'est-ce pas? Hein? Répondez! Contactez-moi quand votre femme et vous serez prêts pour l'extraction. Peut-être que cette fois, vous monterez avec elle dans l'hélico. Saint-John aux nouvelles. La patrouille a récupéré votre type, hein? Ah, caporal, non. Quand ils sont arrivés, il était déjà mort. Mort? Suicide. Du poison. Sorti d'on ne sait où. Désolé. Il n'y a pas de mal. Il a emporté ce qu'il savait de nous avec lui. Viens, mon colonel. Une patrouille de renégats, fils de pute! Hey, Dick! Caporal? Hey, sergent! Caporal Saint-John, Dick, à la prochaine! Caporal Deacon Saint-John! Sergent, ça me fait plaisir. T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi? Hein? Ah, ok. Bon, allez, y a forcément un truc! Caporal Saint-John! On se voit plus tard. Caporal, ravi de vous voir.
Hey, sergent. Toujours en vie, on dirait. Ah, caporal Deacon St. John. Revenez vite me voir. C'est un sacré paquet d'huile. Hein. On peut pas cette semaine qu'on mourra. L'heure du ragoût de gibier, on en a presque assez pour tout le monde. J'ai eu une révélation. La nuit dernière, un groupe de jeunes recrues a rejoint nos rangs et a juré allégeance. Ils sont venus de loin, du nord, du sud. De l'ouest et de l'est. S'ils sont venus ici, et maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ils sont la voix d'autres camps, comme celui au sud que nous avons nettoyé. Des camps tous remplis de dégénérés, de voleurs, de toxicomanes et de meurtriers. Nous sommes menacés. Nous tous. Tous les jours. Nous vivons dans l'ombre de la mort. Mais cette ombre n'est pas causée par les mutants enragés et sanguinaires qui nous entourent. Ils font partie du grand plan de Dieu. Ils sont l'œuvre du châtiment divin. Non. Non. Ce ne sont pourtant pas les mutants qui menacent de nous anéantir. Ce sont nos semblables. Tel Noé, en son temps, nous avons bâti une arche pour sauver l'humanité, pour préserver la connaissance. Ainsi, quand les eaux se retireront, nous pourrons reconstruire. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'apocalypse, ce n'est pas Dieu qui tirera les océans de leur berceau pour engloutir et balayer les damnés. Cette terre ne connaîtra pas le baptême de l'eau, mes frères. Non. Car en ces heures sombres, nous sommes les eaux. Nous sommes les envoyés pour baptiser le monde par le feu. Lançons la guerre sainte contre tous ceux qui ont déchaîné la colère de Dieu. Nous partirons au nord. Nous traquerons les dépravés et purifierons. Ici St. John, répondez. Je suis là. Ok, vous êtes prêts. On va lancer l'opération immédiatement. Envoyez-moi vos coordonnées. C'est fait. Quoi? Vous êtes où? Au centre de Crater Lake, sur Wizard Island, le camp de la milice. Les lance-roquettes sont désactivés? Ah merde, pas encore. Je m'en occupe. Prévenez-moi quand vous êtes prêts. Terminé.